Bienvenidos a You Among Games. Hoy os traigo la demo de Magret and Face the Book. Os dejaré un enlace en la descripción por si os la queréis descargar. Y empezamos. Eh oui, mon cher Moïse. Je suis actuellement en centre-ville où cette étrange odeur, inconnue, nocive et toxique envahit les rues, provoquant des malaises au sein de la population, ainsi que des évanouissements, des émeutes, des altercations et des accidents. C'était Daniel Ducon pour BF News. Bonjour, Madame Musquin. Vous ne passerez pas. Pardon? Je plaisante, inspecteur Magret. Je répète une réplique d'une pièce de théâtre dans laquelle je vais jouer ce week-end. Oh, mais c'est génial, ça! Vous savez s'il y a un nouveau kebab qui a ouvert en ville? Pourquoi me demandez-vous ça? Vous ne trouvez rien de bizarre aujourd'hui. Mis à part que ça semble être la fin du monde dehors. Non, je n'ai rien marqué d'autre d'étrange. Vous ne sentez pas cette odeur qui a envahi la ville depuis ce matin? Non, mais je dois être légèrement enrhumé aujourd'hui. Figurez-vous que hier... Oui, bon ben, on s'en fout. Bon ben, ça fait toujours plaisir. Avant que vous rentriez dans votre bureau, j'ai un message à vous transmettre. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? Agent Gaspard? Vous m'entendez, Agent Gaspard? Youhou! Cela fait bien une heure déjà que cet ours s'est évanoui. Il ne vous répondra pas. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre pièce de théâtre? Oui. Et donc? Eh bien, c'est tout. Mais vous ne m'avez absolument rien dit! Ah bon? Vous avez peut-être aussi les oreilles bouchées, en plus de vos narines. Ouais, on va dire ça. Vous ne voulez vraiment pas savoir comment je me suis enrhumée? Je ne sais pas comment vous dire poliment que je m'en fous royalement. Vous venez de le faire. Eh bien, tant mieux. Passons à autre chose, si vous le voulez bien. Vous aviez donc un message à me transmettre? Oui, de la part de votre capitaine, Monsieur Ichiro. Il m'a chargé de vous dire de rester dans votre bureau et d'attendre son appel téléphonique. C'est noté. Merci à vous, Madame Musquin, de m'avoir rendu ce service. Ne l'oubliez pas, le jour des étrennes. Vous faites quoi avec ce téléphone? J'allais appeler les pompiers pour savoir s'il n'y avait pas une canalisation de gaz pétée quelque part. Ou une fuite radioactive d'une de nos stations nucléaires dans le coin.
Ou bien un nouveau kebab dans la ville. En tout cas, ça sent vraiment le bouc faisant des dans toute la rue. Je vous laisse et reviendrai plus tard. Ne vous pressez pas, surtout. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il ici? Madame Isquin! N'appelez pas les pompiers! J'ai trouvé d'où vient l'odeur de mes chouis cramés! Monsieur? Youhou! Je peux vous aider? Mais elle va me répondre, oui, la chef sous Prozac! Ah ben quand même! Je disais donc, puis-je vous aider? Allô, vous parlez ma langue? Déjà, je suis pas une chèvre. Je suis un bouc, mon poulet. Ouais, et moi je suis pas un poulet, mais un canard. Bonjour la répartie. Vous voulez savoir quoi? Ben, si je pouvais vous aider. Oui, vous pouvez. Mais je rêve. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. C'est bon. Que voulez-vous savoir? Eh bien, déjà ce que vous faites sur mon bureau. Sans pantalon et les parties génitales sous ma lampe. Je me fais juste une séance de bronzage du périnée. Une séance de... De bronzage du périnée. Je me fais bronzer l'anus, quoi. Mais ce n'est pas une lampe à UV. Non, vous croyez, Colombo? Eh bien, je viens de m'en rendre compte. Et sinon, vous êtes... Ben, sur votre bureau, à ce que je comprends. Non. Je voulais dire, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur face de bouc. Je suis envoyé par le bureau pour vous épauler. Je n'ai pas besoin d'aide pour trier les archives du commissariat. Là-haut, ils pensent que si. Et pour me punir, ils m'ont aussi rétrogradé aux tâches administratives. Excusez-moi, mais pour ma part, je n'ai pas été rétrogradé. J'ai demandé à travailler aux archives. Sans déconner. Mais vous n'étiez pas inspecteur avant? Oui, mais disons que le manque d'enquête et de meurtre dans cette ville m'a incité à revoir mes priorités. Bon, ben, je vais finir quand même ma sieste parce que... Vous m'avez un peu fatigué avec vos histoires. Merci, c'est toujours agréable. Bon, cette fumée m'irrite un peu trop la gorge. Il me faut un bon verre d'eau. Hop, nous avons un verre. C'est un très vieux donut tout sec. Je n'ai pas trop besoin de ça pour le moment. Rien que l'odeur pourrait réveiller un mort. Ou quelqu'un qui dort bien et ronfle à un tracteur. C'est un très vieux donut. C'est tout simplement un des 8 tiroirs de la coupe. Ce tiroir, mais je n'ai absolument aucune envie de le fouiller. Je ne sais pas vraiment qui appeler pour le moment. C'est un ordinateur, quoi. Plus qu'à voir.
Il faudrait crever ce bidon avec un... Ou alors, juste trouver un verre vide et le remplir avec les robinets de la fontaine. Réfléchissons quelques secondes. Je crois que ce serait plus intelligent d'utiliser un verre, en fait. Je ne vais quand même pas gaspiller cette eau plate et fraîche sur cette face de bouc. Je ne sais pas vraiment qui appeler pour le moment. Hey, vous pourriez me gratter le bout de la queue pendant que vous y êtes? Il faudrait que... Ou alors, réfléchir... Je crois que ce serait plus intelligent d'utiliser un verre, en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et je ne crois pas avoir envie de le savoir. Que puis-je faire pour vous? Salutations, monsieur le lombric! Nous sommes bloqués dans le jeu! Quand je vois la tronche de celui qui joue avec vous, je comprends mieux pourquoi! Veux nous donner un indice pour nous débloquer dans le jeu? Alors, mon indice est le suivant. Arrêtez le jeu point and click, parce qu'être bloqué ici, ce n'est pas humain. Je les a. Un verre vide, une fontaine à eau derrière la porte. Merci, mon ami. Eh bien, à la vôtre. Allons voir qui souhaite nous parler. Bureau des archives, que puis-je faire pour vous? Salut, Magret, c'est le capitaine Ichiro. Mais restez, capitaine Ichiro. Vous n'allez pas le croire, mais je suis actuellement sur une scène de crime. Sérieux? Une vraie boucherie, monsieur Kwan a été découpé en morceaux façon pièce de charcuterie étalée sur un présentoir de banquet. Mais c'est horrible! J'ai besoin de vous confier l'enquête de ce crime. Mais je vous rappelle que vous m'avez retiré mon insigne et mon arme, capitaine. Ah, tiens. Finalement, on n'a pas quitté son poste d'inspecteur volontairement, on dirait. Fermez votre gueule! Vous sentez l'oignon caramélisé à 3 km à la ronde! Comment? Non, désolé, capitaine. Je parlais à un bouc qui se fait frire le cul sur mon bureau. Je vous réhabilite! Face de bouc est bien arrivé dans vos locaux! Ah oui, capitaine. Pour être là, il est bien là. Bon, très bien. Puisqu'il est déjà sur place, je le réhabilite aussi. Et vous l'affecte en partenaire sur l'enquête. Prenez-le avec vous. Et allez chercher tous les deux vos insignes et vos armes à l'accueil du commissariat. Gaspard vous attend. Il est au courant. Ensuite, retrouvez-moi chez Monsieur Kwan au 15 rue des Peupliers Secs. 15 rue des Peupliers Secs, ok. Nous arrivons très vite, capitaine Ichiro. Et merci pour la confiance que vous m'apportez pour cette mission. Ne me faites pas regretter. Je vous attends. Bon. Maintenant, nous devons trouver un moyen de réveiller Face de Bouc pour que nous allions ensuite chercher notre matériel. À
avant d'aller aux 15 rue des Peupliers Secs, rejoindre le capitaine Ichiro pour démarrer notre enquête. Plus qu'à boire. Nous avons déjà un verre d'eau. C'est pas vraiment qui appeler pour le moment. C'est un ordinateur, quoi. Je ne vais quand même pas gaspiller cette eau plate et fraîche sur cette face de bouc. Un tas de cartons avec... Je vais laisser le... Ça l'occupera quelques minutes. C'est le casier où sont rangés tous les dossiers des enquêtes. Pour faire simple, ce n'est qu'un décor, puisque tout est désormais numérisé sur notre ordinateur. Cette horloge ne fonctionne plus. Vous voulez la version courte ou la version romancée? Je vais vous faire les deux, puisque vous ne répondez pas. Version romancée. Cette horloge ne fonctionne plus depuis que la foudre s'est abattue sur le clocher de la ville. Et qu'une DeLorean DMC-12 est apparue comme un diable en laissant des traînées de feu devant la porte de ce bureau. À version courte, il n'y a simplement plus aucune pile dedans et on n'a pas d'échelle de toute façon pour grimper là-haut et l'échanger. Ah oui, et aussi parce que c'est moins compliqué pour le développeur de ce jeu de poser une horloge qui ne fonctionne pas. C'est un très vieux donut tout sec. Nous avons le donut. Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire faire. Agitons ce délicieux donut cramoisi et périmé devant la truffe de ce malotru. Je pense que ça devrait le réveiller. J'espère que c'est sans gluten. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est périmé depuis au moins 10 ans, ce truc infâme! Maintenant, j'ai mal au bide. Faut que j'aille au petit coin. Les toilettes sont en bas. Non, c'est bon. J'ai trouvé des toilettes dans ce bureau. Mais il n'y a pas de toilettes dans ce bureau. Si. En attendant, tourne-toi et ferme les yeux que je me rhabille. Maintenant, il faut que j'aille déposer les enfants à la piscine. Vous avez des enfants? Mais non, Donald, c'est une expression pour dire qu'il faut que je fasse caca. Et pouvez-vous me montrer où vous avez trouvé des toilettes dans ce bureau avant que j'arrive? Vous teniez beaucoup au carton derrière vous avec les bouches et tout. Non, vous n'avez pas fait ça. Bon, il faut que nous trouvions les plans de la ville pour nous rendre aux 15 rues des Peupliers Secs. De toute façon, je ne sortirai pas d'ici tant que j'aurai l'écureuil qui tape au carreau. Quel écureuil? Laisse tomber. Je vous confie votre première mission, monsieur Face de Bouc. Trouvez où sont ces fichus plans de la ville, s'il vous plaît.
je m'écoutais là. J'appellerais bien le développeur de Grandma Badass pour lui demander de m'offrir un rôle dans son prochain jeu vidéo en point and click. C'est sur cet ordinateur que j'ai joué toute la nuit à un super jeu point and click. Grandma Badass. J'ai adoré rentrer dans la peau d'une mamie à la recherche de son chat. Et je dis bien rentrer dans la peau, hein. Pas autre part. J'ai comme l'impression que je vais m'éclater ici. Sérieux? Je pense que nous allons en rester là. À récupérer mes poils. Excusez-moi, mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi. Rien d'intéressant dans ce tiroir. Le tiroir est totalement vide. Ce tiroir aussi est totalement vide. Je commence à me demander si on se moque pas de nous là. Pas de plan de la ville dans ce tiroir. Allez, essayez de deviner. Gagné, y a rien d'entré dans celui-là. Je pense que vous avez aussi compris le truc. On va devoir les ouvrir jusqu'au 8e pour trouver les plans. Quelle surprise! Il n'y a pas de bon. Logiquement, le dernier, c'est le bon. Tada! Le tiroir cachait bien deux plans de la ville. J'y crois pas. Ils ont osé faire ce coup-là. Bon, nous nous servirons des cartes plus tard. Pour le moment, nous devons récupérer nos insignes et nos armes. Suivez-moi, Facebook. Nous allons voir l'agent à l'accueil du commissariat. Ai-je le choix? Non. Je ne sortirai pas d'ici sans avoir fait un tour aux toilettes. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et je ne crois pas avoir envie de le savoir. Vous savez ce que c'est qu'un Kinder Surprise? C'est un œuf en chocolat avec un petit jouet surprise à l'intérieur. Eh bien, c'est le même principe pour ce carton surprise. Oh mon dieu! Mais il est rempli à ras-bord d'extrêmement ce carton! Mais vous êtes là depuis quand? Ben, je suis arrivé hier soir, quoi! Et maintenant, mon canard! Bouchez votre nez! Fermez vos yeux et vos oreilles! Je vais détruire l'échelle de Richter! Ce carton contenait mes relevés d'imposition! Non, par pitié, ne faites pas de caca dans... carton. Je peux vous avouer que ça m'a bien soulagé. Je me sens plus léger maintenant. Cette fois, on peut y aller? C'est bon, on peut y aller. Je connais pas cet ours. Je vais laisser l'inspecteur Magret gérer le dossier.
distingue, mais ce sanglier me dit quelque chose. Bonjour, agent Gaspard. Mes respects, inspecteur Magret. Je vous présente mon nouveau stagiaire, monsieur Face de Bouc. Je suis heureux de le connaître. Excusez-moi, mais... je suis aussi inspecteur et non stagiaire. Ha ha ha, ils disent tous ça. Ah, il a beaucoup d'humour, ce Bouc. On dirait bien, inspecteur. Mais vous êtes aussi con l'un que l'autre, en fait. Il va se calmer, le stagiaire, ou je vais lui offrir un tour gratuit en garde à vue. Et c'est donc pour voir, Winnie l'ourson. Bon, calmons-nous et revenons-en à ce qui nous amène ici. Le capitaine Ichiro vous a normalement laissé nos insignes et nos armes. Oh, je suis désolé, mais ça me dit rien. Vous n'avez rien pour nous? Je pense que le capitaine Ichiro a encore oublié de me laisser vos pièces. Bon, nous allons devoir ça avec lui, du coup. Bon courage, inspecteur. Merci. Il ne reste plus qu'à regarder sur notre carte où se trouve le 15 rue des Peupliers Secs et de nous y rendre. Eh oui, mon cher Maurice. Nous sommes devant le café chez Quan. C'est ici que la police vient de retrouver le corps de son gérant. Monsieur Quan, un commerçant apprécié des habitants. Mais retrouvé cependant découpé et transformé en saucisson. Messieurs, il va falloir bouger et laisser la police faire son travail. Oui, c'est à vous que je parle, l'équipe de télévision. Je suis journaliste. J'ai le droit de rester ici et filmer tout ce que je veux. T'as bien raison, con de phoque. Tes spectateurs vont adorer me voir t'arracher tes dents de devant et te les carrer dans le... Oula, messieurs, on se... Oula, messieurs, on se calme. Je rends l'antenne. C'était Daniel Ducon pour BF News. T'es encore là, du con? Tu veux ma photo? Laissons tranquille cette chèvre qui semble avoir la rage. Ouais, c'est ça. Retourne sur ta banquise. Surtout, prenez votre temps avant de revenir, charmant. Bueno, pues hasta aquí. Gracias por ver el video.